Bonjour et bienvenue sur cette vidéo présentant les différents outils permettant de mettre en forme une feuille de calcul. Nous allons voir un certain nombre d'outils, au total 5. Il est important de bien les maîtriser pour continuer votre découverte du tableur. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo et à revenir sur un moment. Bien, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, un tableur est constitué de différentes colonnes A, B, C, D et différentes lignes. L'intérêt donc du tableur va donc de pouvoir modifier facilement ces différentes lignes. Imaginez qu'ici, donc je suis face à un tableau qui enregistre différentes données de salariés, par exemple, donc vous voyez, salarié 64, c'est Linder Regula. Si je souhaite par exemple enregistrer les seconds prénoms, je vais donc avoir besoin de rajouter une colonne. Il me suffit donc de positionner mon curseur, donc là par exemple dans la colonne D, et ensuite de faire un clic droit, donc toujours sur l'axe des colonnes, et de faire insérer. Et voyez donc une nouvelle colonne apparaît, et je peux faire ce que je vous disais, donc rajouter prénom 2. L'intérêt, c'est de bien voir son fonctionnement, donc il suffit simplement de se positionner dans la colonne, sur l'axe des colonnes, et ensuite faire un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel. Vous aurez à l'avant trois options, insérer, supprimer, effacer le contenu. Si je souhaite par exemple supprimer, je me remets sur la colonne que je souhaite supprimer, donc toujours hein, en haut, sur l'axe où il y a les différentes colonnes, et je vais cette fois-ci supprimer. Bien comprendre le mouvement, vous l'avez vu, si je me mets ici, en fait, il va toujours créer une colonne avant. C'est-à-dire qu'il aura toujours, si vous êtes à D, il créera la colonne juste avant. Ce mouvement est le même pour les lignes, il suffit simplement de se mettre sur l'axe, cette fois-ci vertical. Je vais par exemple me mettre là, il faut que j'enregistre un nouveau salarié. Je vais faire un clic droit, je fais apparaître les menus contextuels et je fais insérer. Et c'est exactement la même chose, encore une fois. Vous voyez, on était à la ligne 5, il a créé la ligne juste au-dessus. Et donc cette fois-ci, la ligne 5 est devenue la ligne 6, et il y a un nouvel espace. Donc deux outils à partir des menus contextuels qui permettent de manipuler les différentes colonnes qu'on a dans un tableau. C'est très utile lorsque vous avez des extractions avec beaucoup d'entrées. Comme ici, vous voyez, on a à peu près une soixantaine d'entrées. Autre chose, donc après ce qui va être intéressant, c'est que ce tableau, là actuellement, il est un peu brut. Il n'est pas beaucoup, il n'est pas mis en forme, on a plusieurs défauts. Alors il y a plusieurs outils que je vais vous présenter qui sont des outils accessibles directement depuis la barre d'outils, puis on va aller un petit peu plus de précision. Alors là par exemple, vous voyez j'ai un petit souci ici et ici, mais là très clairement ça apparaît, ça vous indique en fait qu'il y a un souci sur les valeurs. Pourquoi? Ce n'est pas une erreur d'Excel, c'est qu'il vous dit qu'il n'y a pas assez de place. Si je survole avec mon curseur, vous voyez la vraie valeur apparaît, c'est-à-dire 50 000 francs suisses. Il me suffit simplement de me positionner entre la colonne K et L, et vous voyez mon curseur change, et là je vais faire un double clic, et ça prend automatiquement la bonne taille. Donc là je vais rapidement finir de mettre en forme mon tableau, pareil je me mets entre F et G, puisque je vois là par exemple que la colonne, l'information est coupée, et je vais faire ainsi. Donc peu à peu, l'intérêt c'est qu'on a un tableau. On va essayer d'aller plus avec plus de précision, donc je vais sélectionner mon tableau, donc je prends mon clic gauche, le maintien, je descends tout en bas, voilà. Et là, à ce moment-là, vous avez deux possibilités. Vous pouvez modifier, vous voyez ici, vous avez un certain nombre d'outils dans la barre, donc dans l'onglet Accueil, qui vont vous permettre de mettre en forme les données. Je vais pouvoir choisir la police. Donc, si je veux, par exemple, je peux passer un calibri, je peux rester en Arial, je peux éventuellement l'augmenter, la descendre. Je vais pouvoir mettre une couleur de remplissage, ou pas. Je vais vraiment pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc ça, c'est déjà les outils rapides. Après, il y a des outils beaucoup plus précis qui vont nous permettre d'aller plus loin. Donc, on va par exemple se concentrer, hop, je vais finir d'augmenter un petit peu. On va se concentrer plutôt sur cette partie-là. Je vais me concentrer sur le code NPA. Imaginons que je souhaite modifier ces informations-là. Donc, je sélectionne toute la colonne. Pour sélectionner toute la colonne, vous avez deux possibilités. Soit vous faites comme ceci, comme on connaît déjà. Ou soit, vous voyez, je vous positionne sur l'axe horizontal des colonnes et je fais un clic gauche. Et j'ai fait un clic droit, je fais apparaître le menu contextuel, et je vais aller dans Format de cellule. Donc dans Format de cellule, l'intérêt c'est qu'on retrouve tous les outils, avec vraiment beaucoup plus de précision, d'options, dont on peut avoir besoin. Donc là par exemple, vous voyez le premier onglet, Nombre, me permet de déterminer la façon dont je vais représenter les données. C'est vraiment uniquement, j'insiste sur le vocabulaire, de représenter, pas la façon dont j'enregistre les données, ça ne les change pas du tout en termes de nature, ça change juste la façon dont on les représente. Par exemple, vous voyez, si je fais nombre,
Ce qui se passe, c'est que je peux décider de faire apparaître donc des décimales ou non. L'intérêt, c'est que je peux aussi faire apparaître un séparateur de midi. Donc, si je fais OK cette fois-ci, vous voyez, j'ai rajouté un petit espace entre 4 et donc la suite, donc entre l'unité 4000, séparateur des midis. Donc c'est très intéressant, on va pouvoir facilement mettre en forme les différentes données. Et après, on va regarder les différents onglets. Encore une fois, je sélectionne tout mon tableau que je souhaite mettre en forme. Je vais aller encore une fois dans format de cellule et on va aller voir l'alignement. Alors l'alignement, vous connaissez, c'est-à-dire que on va avoir possibilité de gérer dans la façon dont le texte apparaît. Je peux très bien décider, par exemple, de le pencher un petit peu, de l'orienter, par exemple, si on met un angle de 45 degrés. Bon, ça va faire quelque chose de particulier, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez, très rapidement, on va pouvoir choisir la façon dont le texte est orienté. Petit endroit qu'il faut bien maîtriser, c'est que souvent vous allez être dans une situation où le texte dépasse, c'est-à-dire que le texte va occuper plusieurs cellules. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, si j'écris. Vous voyez, le texte dépasse. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on veut vraiment souhaiter que le texte reste dans une seule cellule. Alors en ce moment-là, je fais un clic droit, je fais un format de cellule et je vais pouvoir dire renvoyer à la ligne automatiquement. Je vais faire OK. Donc là, à ce moment-là, vous avez vu, il a fait en sorte, il a renvoyé le texte à la ligne de manière à ce que ça ne tienne que sur une seule cellule. Il y a aussi une autre possibilité, toujours dans le même menu, c'est faire un clic droit, format de cellule, et dire ajuster. Et là, vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il garde la même taille de cellule, mais il réduit le texte de manière à ce qu'il rentre dans la cellule. Donc la partie alignement, c'est vraiment pour choisir l'orientation du texte, pour choisir s'il est centré, si vous voulez renvoyer à la ligne, etc. Il y a différentes possibilités. On va continuer à aller voir les différents menus. Vous avez ensuite la police. Donc là, c'est exactement la même chose que j'ai dans la barre d'outils ici, mais avec beaucoup plus de précision. Vous voyez, je peux choisir le style. Est-ce que je le veux en gras? Est-ce que je le veux en normal, en italique? Je peux choisir la taille. Je peux choisir de barrer au milieu. Enfin, j'ai vraiment beaucoup d'options. Vous avez ensuite la bordure. Alors là, c'est très intéressant. Là, mon tableau actuellement n'a pas de bordure. Je peux choisir de rajouter une bordure et je vais la dessiner ici directement. Donc, par exemple, je vais pouvoir faire comme ceci. Hop, ici, là-haut, etc. Si je fais OK, vous voyez, ça a rajouté une bordure. Pourquoi cet outil est intéressant? Parce que vous pouvez me dire, mais très bien, mais on a déjà l'outil ici, hein, qui est un outil rapide de bordure. En fait, si on utilise l'outil dans format de cellule, on a vraiment beaucoup de possibilités. Par exemple, je peux choisir que les bordures extérieures soient plus enfoncées, un peu plus épaisses. Vous voyez, là, par exemple, c'est ce que je vais faire. Je mets les bordures extérieures du tableau en plus épais. Donc on a un outil qui est beaucoup plus puissant pour faire des modifications plus précises. C'est vraiment un petit peu du sur-mesure. Tandis que la barre d'outils, c'est vraiment l'accès rapide, faire des modifications rapides sur les. Encore une fois, je répète, j'insiste, là on ne fait des modifications qu'esthétiques. C'est un petit peu le maquillage du tableur. On ne change absolument pas les données. En même temps, vraiment, ça reste les mêmes données. C'est juste qu'on choisit de les mettre en forme de manière un peu plus sélective. Après, vous avez le remplissage, vous avez donc la possibilité de mettre une couleur d'arrière-plan, comme nous avons déjà vu, par exemple ici. Si je mets ça, c'est maintenant mon tableau a une petite couleur grisée. Donc vous avez un certain nombre de menus. Il faut souvent, moi je vous conseille souvent de passer par le clic droit format de cellule. La protection, nous en reparlerons dans une autre vidéo. Bien, il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Vous voyez, c'est que là, on a un tableau, je suis obligé de descendre. Et le problème, c'est que quand je descends, je ne me souviens plus de l'intitulé des colonnes. Par exemple, là, Bernard Strasseux, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a une possibilité, c'est on va pouvoir, vous voyez, cette première ligne, en fait, je vais souhaiter la figer. C'est-à-dire que quand je vais bouger, je veux impérativement que ça reste la même. Donc on va aller dans l'onglet affichage et on va avoir ce qui s'appelle figer les volets. Et je vais lui dire, je veux figer la ligne supérieure. Actuellement, moi, vu que j'ai sélectionné la ligne, je vais pouvoir aussi le faire avec figer les volets. Donc je fais ça. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous voyez, quand je descends, c'est très intéressant. Par exemple, je suis à la ligne 65, mais je garde quand même l'intitulé de mes colonnes. Donc ça me permet très facilement de savoir que ben voilà, le code 2, c'est 9, mais je peux comprendre puisque j'ai conservé l'intitulé de mes données. Donc le fait de figer la première colonne, la première ligne, ça va vous permettre de manipuler des grands tableaux, des grandes listes, ce qui vous arrivera assez fréquemment finalement quand vous ferez des extractions de bases de données ou de... Donc c'est très utile dans affichage, fichier les données. Pour l'enlever, il suffit simplement de revenir au même endroit, et là vous libérez les volets, et là vous voyez, ça a simplement disparu.
Il y a une autre possibilité, c'est que parfois vous allez avoir beaucoup de lignes, beaucoup de colonnes, et vous pouvez vous dire, mais ça ne m'aide pas beaucoup à comprendre, j'aimerais plutôt travailler sur certaines données. Mais là, par exemple, imaginez qu'on veut juste conserver le nom, prénom, la localité, et l'année de naissance. Que toutes les autres informations qui sont entre donc la colonne D et G, je n'en ai pas besoin. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir grouper les informations. Donc on va aller cette fois-ci dans l'onglet Données. Et vous voyez, on va avoir un endroit tout à la fin qui s'appelle Grouper, dissocier sous total. Là, je vais faire Grouper. Et l'intérêt, c'est que ça m'a rajouté ici, vous voyez, ce petit onglet. Ici, j'appuie sur Moins. Voilà, je fais disparaître les données. J'ai un tableau qui est beaucoup plus facile à lire. J'ai donc gardé le nom, prénom, la localité, comme j'avais dit. Et je cache les autres données. Je les cache, mais encore une fois, c'est simplement esthétique, puisque si je fais ça, les données reviennent. Donc ça me permet encore une fois de gérer des tableaux qui sont très conséquents avec beaucoup de données. Bien, la dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est un outil qui nous permet de contrôler la saisie que vont faire les utilisateurs d'un tableau. Alors il y a deux possibilités. Donc en fait, encore une fois, ça va se passer dans l'onglet Données. Vous voyez ici, il y a Validation de données. Donc là, par exemple, je vois que c'est une colonne avec que des années de naissance. Je vais rajouter une ligne. On va, sur cette colonne, définir une règle en termes de données, c'est-à-dire je ne peux rentrer que certaines données. Donc là, validation de données. Vous avez donc, vous voyez ici, donc option, la possibilité de définir ce que vous allez pouvoir laisser accepter, ce que je vais pouvoir saisir. Et là, je vais indiquer que je n'accepte que, par exemple, le nombre entier. Et je vais dire, ça va être compris, donc, on va pas se mentir, un salarié peut avoir entre 1915 et on va dire aujourd'hui 2020. Je fais ça, je fais OK. Et donc du coup, vous voyez, quand j'arrive dans cette colonne, imaginez le salarié pas très attentif, il veut mettre 1905, il se trompe. Voilà, tout de suite j'ai un message d'erreur. Ça c'est très intéressant sur des tableaux où il y a de la saisie, comptable, des factures, des calculs. Ça me permet vraiment d'éviter les erreurs. Et donc ça peut quand même, en termes de prise de décision, c'est très intéressant. On peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que vous pouvez encore plus être strict. Par exemple, vous voyez les codes, si je les observe, on va du code 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux proposer dans la validation de données ce qui s'appelle une liste déroulante. Donc je fais validation de données. Je vais cette fois-ci donc autoriser une liste. Donc c'est moi qui vais définir les valeurs. Et je vais donc définir par exemple la source. Donc ici la source c'est simple. On va prendre les différentes valeurs. On va prendre donc les valeurs, donc imaginez, on va définir nos différentes valeurs. Donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ce que je fais, je me repositionne ici, validation de données, liste, comme on a dit tout à l'heure. Et il demande ensuite de sélectionner la source des données. Donc celle qu'on va autoriser, je sélectionne celle-ci, je fais OK. Et donc là, vous voyez une petite liste déroulante qui apparaît, qui va me permettre, voilà, je vais pouvoir, moi en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir sélectionner qu'un ensemble de données déjà présélectionnées pour moi. Et encore une fois, on est sur des astuces qui vont éviter qu'on saisisse des données fausses. Bien, pour résumer, voici les différentes techniques qu'on a vues aujourd'hui pour mettre en forme la feuille de calcul. Cette carte mentale, je vous la déposerai sur l'espace de cours. On a donc vu comment gérer les lignes et les colonnes avec le menu contextuel. Nous avons vu aussi que nous pouvons mettre en forme les données, donc uniquement de manière esthétique, avec le format de cellule. J'ai accès en faisant une sélection, puis le clic droit. Je peux faire le format de cellule, l'alignement des informations, bordure de cellule, remplissage. Je peux aussi contrôler la saisie avec la validation de données. J'indique les valeurs que j'autorise, ou avec la liste déroulante, je propose des valeurs à l'utilisateur. Il est aussi également possible de gérer une feuille avec de nombreuses données. Soit je fige les volets, c'est-à-dire je vais figer des lignes ou des colonnes, ou soit je peux grouper les lignes ou les colonnes. Bien, je vous remercie pour votre attention à cette vidéo et je vous dis à très bientôt.